Dernièrement, sur mon camion est apparu un gros problème de démarrage à froid. Donc je vais vous montrer ça. À ce stade, je soupçonne soit un problème avec des bougies de préchauffage, ou bien, plus embêtant, un problème de compression insuffisante sur un cylindre, et la compression qui viendrait au fur et à mesure que le moteur chauffe et qu'il y a de l'huile qui se balade sur les chemises. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Chauffage, sachant que là il fait un bon 20 degrés facile, il fait beau. Là, ça fume pas mal. Si je relâche l'accélérateur, on sent qu'il va caler. Là encore, c'est pas énormément de fumée qui fait. Mais l'autre fois, c'était vraiment assez impressionnant. Alors, il faut savoir que j'appuie quand même sur l'accélérateur si je relâche. Voici. Je suis presque déçu, je voulais vous montrer un gros nuage de fumée. Enfin bon, il démarre pas quand même au quart de tour, c'est pas super. Donc je vais investiguer du côté des bougies de préchauffage que je soupçonne quand même de pas bien fonctionner. Bon, on a les tracteurs tondeuses pour nous accompagner au niveau du son, donc j'en suis désolé d'avance. Et il fait un peu beau, voilà, c'est le moment de tondre. Bon, bref. Alors, première opération, évidemment, enlever le capot moteur. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, premièrement, on va contrôler qu'on a du 12 volts qui arrive aux bougies de préchauffage. Alors, les bougies de préchauffage, elles sont ici, là, et ainsi de suite. Il y en a quatre comme ça, une par cylindre. Ce sont elles qui réchauffent le gasoil au tout début du démarrage. En fait, juste avant le démarrage. Donc, on va contrôler qu'il y a du 12 volts ici. On va donc utiliser un multimètre. Alors, en fonction voltmètre, 20 volts maximum. Voilà. On va prendre une masse. Alors, par exemple, là-dessus. Donc, au niveau du multimètre, j'ai ma borne moins, entre guillemets, que j'ai mis à la masse, ma borne plus que j'ai dans la main. Pour contrôler que ma masse est bonne, je vais repiquer le plus 12 au niveau de la batterie, qui est sous le siège en l'occurrence, donc c'est facile. Voilà, et je vais contrôler que j'ai bien du 12 volts. Oui, c'est le cas, donc ma masse est bonne. Pour mesurer le 12 volts au niveau de la bougie de préchauffage, donc je mets ma borne de plus au niveau du filetage ici, qui vient donc de la bougie de préchauffage. Et je mets un tour de clé pour remettre le préchauffage en route. Et là, je lis 8 volts 70, 8 volts 80, donc ça augmente. 9 volts. Normalement, ça devrait se couper au bout d'un moment, c'est-à-dire la fin du préchauffage. J'ai 9 volts 13. Volt 20, là ça coupe, 0. Donc maintenant je vais reproduire cette mesure sur chacune des bougies de préchauffage. Donc voilà, j'ai fait les mesures pour les 4 bougies, je vous épargne les contorsions que j'ai dû faire pour atteindre là, surtout la quatrième. Là. Donc j'ai trouvé la même valeur partout, c'est-à-dire 8 volts 60 au début du préchauffage et 9 volts environ à la fin du préchauffage. Mais en revanche, ça m'a permis de déceler une anomalie non négligeable. J'ai un écrou qui est ici, qui est quand même bien desserré. Donc, pour faire un faux contact, il n'y a pas mieux. Il va falloir que je reprenne ça. Peut-être que ça expliquerait le fait que, de temps en temps, il démarre bien, de temps en temps, il démarre pas bien. C'est-à-dire que si j'ai contact, bah, j'ai de la chance. Si j'ai pas contact, bah, j'ai pas de préchauffage et du coup, il tourne sur 3 cylindres pour démarrer. Ce qui explique la grosse fumée. Alors, il y a peut-être une question qui vous taraude, mais pourquoi on ne mesure pas en fait plus 12 volts aux bornes de la bougie? Bah, tout simplement parce qu'elle consomme du courant. Donc il y a une chute de tension. Alors, normalement, on doit mesurer au moins 8 volts 50 pour qu'il y ait une bonne charge. Alors, pour resserrer tout ça, je vais utiliser une clé à œil à cliquet, ou une clé à œil normale, une clé même plate suffirait, hein, mais bon.
cliquet, c'est bien pratique. Par contre, filmer en même temps, c'est beaucoup moins pratique. Mais forcément, si je filme pas, il n'y a plus de tuto. Ah merde, faut que je fasse prendre à la main, je pense. Ouais. Il est vraiment bien desserré. Voilà. Ok. Voilà, ça sert. Donc maintenant que j'ai resserré cette cosse de bougie de préchauffage, je vais retenter un démarrage. Bon, alors sachant que tout à l'heure déjà ça n'a pas fumé beaucoup. Bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc ouais. Normalement ça devrait pas trop fumer. On va voir. Ouais. Et bah, il démarre aussi mal. Le test que j'ai fait jusqu'ici montre qu'on a 8 volts 60 jusqu'à 9 volts en fait au niveau de chaque bougie de préchauffage. Ça ne veut pas dire que cette tension est consommée par chaque bougie de préchauffage. En fait, ça veut juste dire que simplement la tension arrive bien au bout de chaque fil du faisceau qui alimente les bougies de préchauffage. Le bon test qu'il y a à faire maintenant, hein, tout simplement, c'est de sortir la bougie de préchauffage et de vérifier qu'elle rougit quand elle prend du plus 12 pendant un certain temps. Donc là, je vais en sortir une. Donc, je vais commencer par retirer l'écrou qui tient l'alimentation au courant de la bougie. Ah, il faut y aller gentiment. Voilà. Là. Et ensuite, donc ça c'était du 8, là c'est du 12 je crois. Alors, normalement elles sont quand même assez bien serrées puisque elles contribuent à l'étanchéité dans la chambre de combustion. En d'autres termes, si elles ne sont pas bien serrées, s'il y a des fuites à leur niveau, on perd de la compression dans les chambres de combustion. Et donc on perd de la puissance. Voilà une bougie de préchauffage. Bon, elle est un petit peu sale au bout, mais enfin rien de catastrophique. Maintenant, je vais lui appliquer donc une masse ici et du plus 12 ici. Et voir si elle rougit au bout ici. Alors vous remarquerez peut-être que là je porte un gant, puisqu'il y a quand même des histoires d'électricité, de chaleur, etc. dans cette histoire, donc il faut faire attention. J'ai rebranché la bande positive de la bougie de préchauffage. Et là en fait je vais appliquer son corps sur une masse. Et donc là ainsi elle va être alimentée. Donc là au niveau de la clé de contact j'envoie le préchauffage. Et on voit le bout de la bougie de préchauffage qui commence à rougir. Là, c'est bien rouge, donc elle fonctionne. Je vais faire maintenant le même test pour les trois autres. Et si elles s'allument toutes comme ça, bah, ça veut dire que mon système de préchauffage est bon. Et ça veut dire que s'il démarre mal, bah, le problème est ailleurs. Alors bien sûr, une fois que vous avez fait le test, laissez bien la bougie refroidir dans un endroit sûr, c'est-à-dire en touchant à rien. Il faut que le bouc est bien chaud, touche à rien. Une fois que c'est bien froid, vous pouvez la manipuler normalement, bien sûr. Bon, une fois que toutes les bougies ont été testées, elles ont bien rougi. Alors, on les nettoie un petit coup, juste le bout, hein, avec un chiffon ou quelque chose comme ça. Et on les met gentiment dans leur logement. Alors, surtout, il ne faut pas emmener des corps étrangers dans la chambre de combustion, hein, donc c'est-à-dire que le pourtour doit être relativement propre
Il faut pas envoyer des saloperies quoi, à l'intérieur des chambres. Voilà, donc après bien sûr, finir de serrer avec une douille ou quelque chose, hein, faut serrer relativement fort. J'ai pas en tête les couples nécessaires, mais bon, en gros, faut serrer correctement. Alors, faut pas aller comme un bœuf non plus, mais il faut serrer assez fort. Donc la conclusion pour moi ici, c'est que le préchauffage fonctionne. Donc il va falloir que j'investigue plus avant pour trouver pourquoi il démarre mal.